Ceux qui manifestent cet après-midi ne manifestent pas contre les ordonnances. Vous le savez bien. Ils manifestent dans un esprit de revanche. D'ailleurs, Ruffin l'a bien dit. Nous, on veut faire tomber Macron sur tous les trucs à la con possible. Et ce n'est pas la question des ordonnances. Lui-même a dit que c'est trop compliqué, les ordonnances. Et au fond, ils se satisfont d'un système qui, aujourd'hui, fait qu'il y a 50% des jeunes dans les quartiers qui sont au chômage, que 25% des jeunes, aujourd'hui, ne trouvent pas d'emploi, que 10% des Français sont encore en non-emploi. Et alors, on va vous agiter tous les fantasmes de la Terre possible, allant du retour de l'esclavagisme, on a quand même vu ça, au coup d'État social. On va vous ajouter le spectre de pays où tout va mal, comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est terrible. Avec d'ailleurs de fausses informations qui circulent selon lesquelles il y aurait plus de travailleurs pauvres qu'en Allemagne qu'en France. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave, on le répète sans cesse. Et au fond, ce qu'ils n'aiment pas, c'est la démocratie. Parce qu'il se trouve que la démocratie, il y a quelques mois, elle s'est exprimée. Elle a élu Emmanuel Macron. Ici, elle a élu Anne-Laurence Pétel. Sur un mandat clair. Sur les ordonnances travail que le président de la République a signées hier et qui ont été ce matin publiées. Est-ce qu'il y a une information qui n'était pas dans le corpus, dans la campagne électorale? Non. Celle que les Français supportent la moins, parce que je pense qu'ils ne l'ont pas compris, c'est celle sur la barémisation des dommages et intérêts aux prud'hommes. Je ne vais pas vous en parler, je serai trop bavard. Mais elle était dans le discours d'Emmanuel Macron, dès l'élaboration de la loi croissance et activité. Ensuite, au moment de la discussion de la loi travail. Et donc, il n'y a pas de surprise. Mais que font nos adversaires? Ils contestent la légitimité politique de l'élection en nous disant que, oui, c'était finalement, il a été élu pour vaincre le Front National. Mais Jean-Luc Mélenchon, il était élu par 19% des habitants de sa circonscription. C'est tout au second tour. Et pourtant, je vous le dis, c'est un député légitime. Et je ne contesterai jamais sa légitimité. Alors, il nous conteste le fait de faire des choses que nous n'aurions pas dit. C'est faux. Tous les engagements que nous prenons aujourd'hui étaient écrits. Étaient des sujets sur lesquels nous sommes engagés, à la fois sur le fond et à la fois sur la méthode. Pour le travail, vous connaissez le fond. Sur la méthode, c'était les ordonnances, pas de surprise. Par contre, on a rajouté plus de 300 heures de discussion avec les partenaires sociaux, plus de 100 réunions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux. Sur un autre sujet d'actualité, la PMA. Il y a des débats sur la PMA en France. Mais est-ce qu'on a caché que si l'avis du Conseil d'éthique était favorable, nous y serions favorables à condition qu'il y ait un débat? Non. Non. Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne, et nous le ferons. Nous le ferons dans le cadre du débat sur la loi bioéthique, parce que nous pensons que la PMA est un élément d'égalité fondamentale dans ce pays. Mais en même temps, nous savons que ça peut choquer des gens et qu'il ne s'agit pas de dire « nous avons raison contre les autres ». Et c'est tout l'inverse de ce que font nos adversaires, et en particulier la France insoumise. Ils considèrent qu'ils ont la seule vérité, et que tous les autres seraient des sortes d'usurpateurs dans le système. Mais au fond, l'usurpation, est-ce que c'est la démocratie? Moi, j'entends la démocratie dans la rue. Mais pour moi, la plus belle forme d'expression de la démocratie, ça s'appelle l'élection. C'est celle qui fait qu'Anne-Laurence Pétel est députée de cette circonscription aujourd'hui. C'est celle qui fait que j'ai été élu député des Alpes-de-Haute-Provence et qu'Emmanuel Macron est président de la République. Il faut respecter l'élection. Parce que c'est respecter la démocratie, c'est respecter les citoyens, c'est respecter le peuple. Et comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est respecter les gens. Parce que, paraît-il, il parle au nom des gens. Mais au fond, quand les gens choisissent différemment de lui, ils les contestent. C'est le cas en Allemagne. Il y a quelques chances que la chancelière Merkel soit reconduite. Ils n'aiment pas la chancelière Merkel, alors on critique les Allemands. Au Venezuela, il y a eu des élections démocratiques, mais ils ne sont pas favorables à Maduro. Alors on conteste les gens. Moi, je vous invite à être les militants des gens, des femmes, des hommes. Celles et ceux qui, dans les sondages, et on en parle peu, font confiance dans le gouvernement, mais considèrent qu'il est trop tôt pour l'évaluer. Parce que oui, il est trop tôt pour mesurer le fait de savoir si cette transformation en profondeur du monde du travail que nous engageons avec les ordonnances, que nous allons conforter avec une réforme en profondeur de la formation, de l'apprentissage, mais aussi de l'assurance chômage, cette transformation en profondeur porte des fruits. Il faudra 2 ans, il faudra 3 ans. Mais c'est à cette échelle-là qu'on doit évaluer une politique publique. Et on pourrait évoquer 1000 sujets comme cela. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que la contestation, elle est toujours beaucoup plus facile à émettre. Elle est beaucoup plus facile à entendre aussi pour nos concitoyens. C'est difficile parce que quelquefois, on fait des vraies bêtises. Il paraîtrait que le président de la République ait même utilisé un jour, sur une des mesures sur laquelle je ne vais pas revenir, le mot « connerie ». Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive et donc il faut redoubler de pédagogie. Et puis il faut être meilleur dans ces circonstances. Et on a besoin aussi des députés de terrain pour nous accompagner sur cela. Mais notre pays a besoin d'être transformé en profondeur. Nous le savons tous. Nous sommes dans un pays triste,
On parle des Allemands. Les Allemands sont fiers de leurs institutions. Vous interrogez les Allemands sur les institutions, à 85% ils sont fiers de leurs institutions. Vous les interrogez sur la presse, ils aiment la presse. En France, non. En France, on est triste. Triste quand on parle du collectif, du commun. Vous savez, le commun, c'est ce qui appartient à tous et qui, au fond, appartient à personne. C'est l'église du village, même si on n'est pas catholique, même si on n'est pas pratiquant, on y est attaché. Mais le commun, c'est aussi notre démocratie. Le commun, c'est aussi notre liberté de la presse. Et quand certains partis font des tweets, comme j'ai vu cette semaine, pour mettre en cause la presse pourrie, alors qu'il ne s'agit pas d'une presse sectorielle, spécialisée, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas prendre, je vais pas me prêter à ce jeu-là, mais qu'il s'agit de grands hebdos qu'on connaît tous, je pense que ces menaces-là, elles sont malsaines pour notre démocratie. Et quand, au fond, on voit les violences qui nous amènent à brûler des gendarmeries, comme ça a été le cas à Grenoble, à prendre le risque de brûler une partie des indices qui sont dans l'enquête pour tenter de retrouver cette jeune enfant, Maïlis, et que pour certains, la violence doit se traduire ainsi par cette voiture qui brûle sur le, de policiers sur le procès qui s'est terminé hier, ou par cette gendarmerie qui brûle, je crois qu'il faut revenir à la responsabilité. Tu as quelqu'un qui va s'occuper de tes réseaux sociaux. Vous le vivez peut-être pas, mais la violence qui est diffusée par les réseaux sociaux, toujours derrière le couvert de l'anonymat, parce qu'évidemment, seul l'anonymat permet d'être expressif, semble-t-il, dans ce pays. Mais au fond, cette violence qui est portée dans le langage de quelques héros politiques qui manifesteront encore cet après-midi, je pense qu'elle est dangereuse pour la démocratie. Et qu'il faut revenir à un contexte apaisé, qu'il faut accepter la contradiction, qu'il faut accepter le reproche, qu'il faut accepter le débat, mais qu'il faut chercher à tout faire pour que notre société soit apaisée. Et pour cela, il ne s'agit pas d'opposer les femmes et les hommes, il ne s'agit pas d'opposer des idées de droite, des idées de gauche, il ne s'agit pas d'opposer des dogmes à des pensées, il ne s'agit pas d'être nostalgique non plus. Il s'agit de toujours se poser la question de savoir ce dont notre pays a besoin, ce dont notre démocratie a besoin, ce dont les gens ont besoin. Et je crois que pour cela, il faut assumer de prendre des risques. Le soir du second tour, le président de la République, quand je l'ai retrouvé dans son bureau, avant qu'on rejoigne tout le monde pour faire la fête, après qu'il soit passé au Louvre et moi sur quelques plateaux télé pour commenter les résultats, quand je l'ai retrouvé, il m'a dit une seule chose. Nous avons gagné le droit de prendre des risques. Anne-Laurence, tu es députée, il faut que tu prennes des risques avec nous. Merci. Ça marche pas? Si, ça marche. Ça y est. Le micro-fille marche aussi. Donc merci beaucoup. Et les risques, c'est pour 5 ans, on les prend. Et on y va. On vous a préparé quelque chose. Donc maintenant, place à la convivialité et place à l'apéritif, tous ensemble. Merci beaucoup.